Salut les internautes, c'est le Trappeur Picard. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment on fait du beurre suite à la pénurie qu'il y a en ce moment. Donc, les personnes qui seraient intéressées à faire le beurre, donc je vais vous montrer la petite astuce. Donc, il vous faut de la crème liquide entière. Et moi, je vais utiliser un robot que j'ai utilisé à modernité. Voilà. Je vais prendre ceci pour faire le test. Si vous avez un fermier qui élève des vaches, il peut vous en vendre. C'est certainement meilleur que ça. Donc là, c'est juste pour vous faire le test. J'ai utilisé mon Thompson CréaChef et le mettre à pleine puissance. Ça commence à prendre forme. Voilà ce que ça donne. Donc je me suis sorti vite d'un torchon, j'ai mis le lait qui s'est écaillé dans le torchon que j'ai mis ensuite au-dessus et que j'ai pressé. Donc voilà le beau beurre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de sel parce que moi j'ai du beurre demi-sel. Donc hop, c'est la Guérande, un petit peu là. Toc, et maintenant je vais le rouler. Voilà le résultat. Vous avez un très joli beurre. Il n'y a plus qu'à le mettre. Bon, je l'ai mis dans un tupperware. Vous n'avez plus qu'à mettre votre beurre au frigo et vous pouvez le consommer. Là, donc là, c'est 100% naturel. Bon, il y a quand même les conservateurs des petites briques. Donc là, je ne sais pas combien de temps ça se garde, mais moi je le consomme assez rapidement. Donc là, j'ai fait du beurre demi-sel. Donc vous comptez une dizaine de minutes quand le robot se met en marche. Dès que vous voyez que y a du caillage et beaucoup d'eau, c'est le petit lait qui est ici. Donc c'est que c'est bon. Donc après, un torchon, vous le mettez au-dessus, vous versez votre petit lait avec le lait écaillé, vous pressez, ça, le jus sort et ensuite vous ramassez votre beurre. Donc vous n'êtes pas obligé de le saler, hein, c'est parce que moi je préfère quand c'est salé. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour moi, hop, j'ai mon beurre. Donc si vous êtes en pénurie de beurre, vous savez comment faire, c'est simple. Donc si vous n'avez pas de robot, vous prenez... Alors, vous prenez les petites choses comme ça. Ça marche aussi bien. Ou... vous prenez le robot qui est bon à nettoyer parce que j'en ai mis partout et ensuite voilà. Donc vous comptez une bonne 10 minutes pour avoir votre beurre et vous voyez, hein, il colle bien, hein, il n'y a pas de souci. Donc ce soir avec le pâté, mangez mon beurre. Voilà, donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé et si vous n'aimez pas, et ben passez votre chemin. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!